Et salut à tous les amis, c'est Paul Protantis pour la suite de mes aventures sur Euro Truck Simulator 2. Donc, on va se remettre dans le bain. Tiens, j'ai un email. Ah, d'accord. Ouais, mais je peux pas aller au concessionnaire de Paris si je suis pas à Paris. De toute façon, j'ai que 4000. Donc, marché du travail, on va se prendre une petite mission. Voilà. En béton, ça m'a l'air bien. Hop. Et c'est parti, j'espère que vous m'entendez bien. Là, si la musique est un peu forte, c'est normal. Ça va baisser dès que je vais être arrivé dans le camion. Ça dura plus mieux. Donc j'ai un... Ah oui, une peine. Je vais juste faire un petit zoom sur ma carte. Hop là. Et c'est parti, les amis. Je suis un peu avancé. Attends, juste là, je vais régler l'intensité du fond, sensibilité, je vais augmenter ça. Voilà, ça va être mieux comme ça déjà. Et dans la jouabilité, je vais mettre le freinage un peu plus intense. J'aime bien les trucs qui s'arrêtent bien. Là, j'ai encore reçu un email. Ouais, la banque, on va pas s'intéresser à la banque tout de suite. Ouais, s'intéresser à notre mission. Où est-ce que j'étais là? Ça sert à rien que je me presse pour qu'il y avait un feu rouge. Voilà, hop, quoi c'est. Qu'est-ce que tu fous toi? Hop hop hop, priorité au poids lourd. Ouais, mais connard. J'espère que j'ai 15% de dégâts. Ouais, un peu qu'il faut. Quand il y a que... quand il y a un pourcentage assez faible en principe, c'est pas... ils ne font pas attention. En gros, ils passent les ponts. Donc là, on va regarder un peu notre destination comme ça. Donc on va à Stox. Ah non, à Zurich. Donc Zurich, je crois que c'est en Allemagne. Donc voilà, on devrait y être assez rapidement. On va remettre notre... Eh purée, j'ai fait louper la sortie. Il est assez puissant quand même. On peut remarquer qu'il a bien fait la reprise. Bah dans la côte, je veux dire, après le freinage, il a bien accéléré. Oh la chance! Oh la chance! Eh, je sais pas les amis ce que vous en pensez, mais j'ai eu de la chance. Remettez un tout petit peu en arrière pour voir. Mais je vois les noobs qu'attendaient au feu. J'ai essayé de les griller, là je vois la voiture. Ça c'est pas de la chance, faut me le dire. Oh là là, je suis vraiment un petit chanceux. Là, hop, tranquille. On est sur... l'autoroute, c'est pas compliqué de conduire sur l'autoroute. Je vais mettre le régulateur, donc le régulateur CC pour ceux qui n'avaient pas vu le premier épisode. Je mets le régulateur et là, devant mon écran, je peux vous montrer même si vous ne voyez pas, je ne tiens plus rien. Mais là, je vais freiner. Oh, je vais même pas freiner de toute façon. Voici. Voilà. Parce que sinon, je peux me barrer en couille et vu que j'ai une cargaison, je pense, assez lourde. On va remettre le régulateur dès qu'on sera à 90. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous m'entendez bien, s'il y a des trucs que vous voulez que je change. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Même à mettre un j'aime, un commentaire, c'est super sympa. J'espère que cette nouvelle série va vous plaire, hein, parce que... à l'heure où je fais cet épisode, j'aurais pas encore posté... Bah vous l'aurez forcément vu, mais
Quand moi je tourne, je n'ai pas encore posté le premier épisode. Donc j'espère que vous avez bien aimé. Franchement, l'intérieur, il est vraiment. Je suis déjà monté dans un Volvo. Pardon pour cet écart. C'est vraiment bien, c'est similaire. Et je crois dans les MAN ou les DAF, je sais plus, il y a un petit GPS là, juste là. Hop. Donc c'est exactement pareil que celui qu'on a en bas, mais. Ça fait un petit bonus. Sinon, je pense que tous les camions doivent avoir un GPS, sinon je vois pas comment ils pourraient travailler. À moins d'avoir une carte. Oh purée, excusez-moi. Regardez autre part. Là, vous voyez, il y a une aire de repos. Hein. Je vous montrerai un jour quand on fera des grands trajets, qu'on aura besoin de faire des coupures. On visitera ça plus en détail. Mais un jour, j'ai essayé de faire une coupure dans une mission et je suis arrivé tout simplement en retard. J'ai dû. J'ai pas été payé aussi bien que c'était annoncé. Bon, je le grille. J'ai oublié de mettre les clignotants, mais c'est pas grave. Donc je vois pas, pourtant c'est 90 et j'arrive à les doubler à 89. C'est vraiment bizarre. On va lui faire un petit signe. Voilà. Histoire de lui dire, ah, j'étais grillé. Là, on va mettre le clignotant. À gérer mes clients. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je mette la radio ou pas, parce que je sais que la radio parfois je suis mort de rire parce que c'est des musiques bizarres. Je vous laisse choisir si vous voulez bien que je mette de la musique ou pas. Donc là on va juste se déporter. Il n'y a personne, je vais me déporter. J'ai même pas besoin. Parce que parfois il y a des trucs où la route. On est obligé de sortir, donc là c'est pas le cas. Je sais pas si vous m'avez très bien. Tac, drogue, laisser t'intégrer. Donc j'espère que je vais pas avoir trop d'accidents là pour moi. Je suis bien parti. Si tout à l'heure, je crois que j'ai accroché quelqu'un, mais vu que c'était de sa faute, entre parenthèses, vu que j'ai quand même sifflé sa priorité. Lui il conduit chaud, mais bon, c'est pas. Donc là on peut voir les différents sur les camions, on peut apercevoir différentes sociétés de transport. Donc là c'est Postnet, je crois. Il y a Trado, Postnet, il y en a plein d'autres que je connais pas. Non, c'est Postpaid. Ouais, Postpaid. Donc oula, est-ce que je vais devoir sortir là? Je sais pas. Non, donc là je m'en fous, je reste sur cette voie. Donc là j'ai mon régulateur, j'ai pas besoin de toucher grand chose. Donc bientôt, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je sais même pas s'il avait dit, je vais bientôt avoir mon volant là. Vous voyez, je suis toujours en train de rediriger avec mes touches, mais avec mon volant, ça sera beaucoup mieux. Bah, ça sera beaucoup plus immersif. Peut-être que je ferai un face commentary, je verrai. Avec le volant, on verra. Je verrai. Je mettrai peut-être la caméra derrière moi pour qu'on voit le volant à l'écran un peu. Et je le mettrai en petit en haut à droite ou en haut à gauche. Plus en haut à. Je le mettrai. Oh, je vais me rabattre là, tiens. Je le mettrai sûrement en haut à gauche. En haut et à gauche. Parce qu'à droite, j'ai mon rétroviseur principal. Mais sinon, je le mettrai peut-être tout simplement en bas à gauche. Ou là, tout simplement, il n'y a rien. On peut voir que là, il n'y a pas grand-chose. Pour le moment, là on voit qu'on est bientôt arrivé, le temps passe vite. Hein. Ça dit 1 heure, mais en fait, je vais mettre à peine 5 minutes. Vous voyez là, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Je pense qu'on peut rouler là-dessus, mais bon, je vais éviter. Donc là, vous voyez, il reste 1 heure, mais en gros, je vais mettre, je pense, allez, 5 petites minutes à y arriver. Vous voyez, là, on est déjà à 57. Pour vous dire la rapidité. Donc là, c'est quoi ce panneau? 80. Le régulateur 80, comme ça je suis pas embêté par les radars. Est-ce que je dois sortir là? Donc, je pense que je vais pas tarder à sortir. Et en principe, quand je sais plus où est-ce qu'on va, je crois que c'est Zurich qu'on va.
Et à Zurich, quand on arrive dans la ville, il y a une sorte de slalom. Donc c'est pas que c'est désagréable, mais c'est pénible à conduire. Je sais pas pourquoi, mais... Je sais plus si c'est cette ville, mais je sais qu'il y a une ville en Allemagne où c'est très pénible à conduire. Ça fait des zigzags. Donc là, on voit Stuttgart. On va sortir un peu plus loin. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on était à 1 heure, il y a à peine 1 minute, et là, on est déjà à 30 minutes. Non, je ne sors pas là, ça va être la prochaine. Zurich, ouais. À mon avis, je vais me faire la prochaine sortie. Je vais rester sur mes gardes. Je vais enlever le régulateur à 80. On va accélérer maintenant. Et on va se rabattre. Voilà. Alors, Zurich, qu'est-ce que c'est cette sortie, hein? Ouais, ça va être cette sortie. 300 mètres, c'est bientôt. Pour pas freiner, je vais me laisser couler tout simplement. Là, on va être rabattu sur une autre. Et là, on arrive dans les zigzags. Donc, au début, il a marqué 80, après, ça va être 80 ou 50. Donc, vous voyez, c'est très. Je préfère conduire à gauche dans les virages. Même ça, la remorque risque pas trop de toucher. Vous voyez, là, on a encore une série de virages. C'est pas hyper agréable. Je l'ai trop vite en purée. Donc là, on a découvert une autre ville. Faut vraiment pas aller vite, mais là, je suis légèrement avec cette vitesse. Peut-être freiner un peu quand même. Donc là, on va tout droit. Donc je me suis mis pile dans la bonne file en plus. Allez, purée! Je viens de perdre 400 euros pour ça. Et il part, lui, il fait quoi? Bon, je suis désolé pour cet accident là, mais quand ça passe de vert rouge au lieu de vert orange rouge, alors que là c'est rouge vert orange. Vert orange, je comprends vraiment plus rien. C'est peut-être un petit défaut de ce jeu, je sais pas si j'ai bien vu, mais s'il n'y avait pas de orange avant le rouge, ça me paraîtrait un peu bizarre. Donc là on tourne à gauche, faudrait que je me déporte, mais bon, c'est pas grave. Oh, de toute façon lui je l'avais déjà accidenté, il craint plus rien, il est immunisé. Voilà. J'espère que j'ai pas trop de dégâts quand même. Ouais, 3 et 1. Ça, je devrais pas être pénalisé. Vous voyez là, lui, hop. Ah, à moins qu'il y ait une petite flèche à un côté, j'ai peur. Parce que mes collègues m'ont laissé passer. Donc voilà, encore un feu là. Donc on est bientôt arrivé les amis. Là, je vais essayer de pas toucher. Donc c'est juste. Oh le jeu de mots. C'est juste, hein. Dédicace à Justin. Voilà, ça c'est dit. Alors. On est juste là. Voilà, laissez passer monsieur. Puis là je vais me garer dignement, on va dire. Monsieur, du bruit derrière, c'est le mes parents viennent derrière. Et purée, non, mais ok, j'abandonne. Là, j'ai des pénalités, c'est sûr. 2% de dégâts, voilà. Et j'ai passé un niveau. Donc, dites-moi dans les commentaires. Ouais, je vais mettre Fred de grande valeur. Voilà. Et à plus, les amis. C'était Polo le Pro 36. Allez, bye bye.